avare du coupé décalé. Mollard condamné par la justice à payer 70 millions de francs de dommages et intérêts à Linda de Lindsay pour plagiat. Sur saisine de la justice par Linda pour plagiat, le Mollard a été condamné à payer 70 millions de francs de dommages et intérêts, a appris l'infodrome de sources proches du dossier. Mollard, qui a fait appel de la décision, devra prouver qu'il n'a pas plagié les avares du coupé décalé que Linda de Lindsay défend être la détentrice légale pour avoir organisé. Elle avait menacé de porter plainte contre le Mollard pour plagiat dans le feu du lancement de la première édition des avares du coupé décalé. Pour elle, le concept des avares du coupé décalé était son idée, donc pas question qu'un quelconque promoteur s'en accapare sans son autorisation préalable. Aussitôt a-t-elle saisi des avocats depuis la France pour leur confier l'affaire. Le Burida avait même été saisi. Organisatrice de cet événement qu'elle a enregistré dans cette institution, depuis 2010, la démarche de Linda de Lindsay est de faire reconnaître à Mollard qu'il s'est rendu coupable de plagiat.